Trois développeurs absolument fans de Dark Souls ont décidé de créer ensemble le jeu de leur rêve. Ils ont pris 4 ans à créer ça et ils expliquent qu'ils rêvent de ce moment depuis toute leur vie. Déjà, l'univers a l'air vraiment stylé. C'est les ruines d'une ancienne civilisation ultra évoluée et le monde en soi, c'est une entité qui s'appelle l'Omnistructure. Alors bien sûr, c'est censé être un jeu difficile, un peu comme les Dark Souls justement, avec des ennemis qui font très mal et des boss aussi énervés que horrifiques. Il y a des mécaniques de parade, de blocage, d'esquive, tout ça, mais aussi d'exploration et d'escalade. Car toute l'Omnistructure, en fait, c'est un open world. Et apparemment, ils tentent d'amener leurs propres pattes et concepts sans être un copier-coller de leur jeu préféré. On a un projet qui a l'air intéressant et passionné, et déjà on peut voir que niveau graphisme c'est excellent. On a un mix entre des vibes médiéval fantasy et en même temps très futuriste, le tout restant très sombre avec des environnements vraiment impressionnants. J'ai l'impression que le jeu a beaucoup de potentiel et vu les concepts art et les bouts de narration que les développeurs partagent depuis quelques années, il y a l'air d'avoir une histoire assez dense derrière tout ça. Bon, bien sûr, faut quand même rester réaliste, le jeu vient tout juste de sortir et dans l'état actuel il est apparemment très buggé. Beaucoup de reviews sur Steam comme quoi ça fonctionne pas correctement, des problèmes avec les touches ou les collisions, des streamers qui rage-quittent le jeu à cause des bugs, donc le jeu est peut-être sorti trop tôt ou trop ambitieux, mais dans tous les cas je teste ça ce soir en live sur Twitch. Alors,